nous a demandé de mettre en place un règlement sur le fonctionnement du Conseil citoyen dès le départ. Mais au départ, on ne savait pas comment s'y prendre et quelles règles on voulait mettre dedans, mis à part la règle de comment prendre une décision en groupe. Donc, on a fixé, comme dans toute association, un quorum de membres présents. Donc, c'est la moitié plus un. Et puis après, quand on prend une décision, il faut qu'il y ait la moitié plus un des membres qui soit d'accord avec la décision, des membres présents qui soient d'accord avec la décision. On a mis en place une règle au sein de la charte qui dit que si on n'est pas assez nombreux dans une réunion, on ne peut pas prendre de décision majeure. Ensuite, les décisions, ça dépend des... Enfin, en fait, c'est à la majorité, mais des gens qui sont là. Si on a le quota de personnes nécessaires. On a fait simple pour justement que ce soit efficace quand même. Du coup, on a mis des règles, notamment sur qui représenterait le Conseil citoyen lors de réunions institutionnelles. On a souhaité que c'est des réunions importantes où on représente vraiment la voix du Conseil citoyen, ça soit quelqu'un qui ait assisté au débat et aux réunions auparavant, pas quelqu'un qui a toujours été absent. Et on a souhaité également que le Conseil citoyen valide en votant que ce soit bien ces personnes-là qui représenteraient pour que tout le monde soit d'accord. Alors, on a essayé de tenir un rythme toute l'année dernière sur un mardi sur deux ou sur trois en fonction des disponibilités de chacun, vers 18h45 le soir, voilà. Après, ceux qui pouvaient nous rejoindre un peu après, on essayait de faire ça autour de petits apéros partagés, donc dans la maison des associations. Et après, en fonction, on ajustait en fonction de si on avait des formations, si on avait des rencontres. Voilà, évidemment, ça, on ne pouvait pas, malheureusement, en termes de temps, effectuer une réunion plus une rencontre dans la même semaine. On s'est rendu compte que les gens n'avaient pas le temps. Et sinon, c'était toujours ceux qui avaient du temps qui participaient. Et c'était dommage, parce que l'idée, c'est vraiment de faire ensemble. Après, cette année, on est beaucoup sollicité pour des rencontres avec d'autres conseils citoyens, etc. Donc peut-être ça va évoluer, mais j'espère. Mais voilà, pour l'instant, on était sur ce rythme-là. C'est là où on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse une assemblée générale aussi. Donc on a décidé de la faire à chaque fois en début d'année. Et donc c'est là où on a voté notre premier règlement. Et il est écrit notamment dans le règlement que le règlement est revu tous les ans.